Power GP, il est très bien en ligne droite, très bien en virage. On emmène vraiment le pneu où on a envie d'aller. Franchement, j'en suis enchanté. Je suis à l'aise, c'est naturel, j'ai aucune appréhension avec. Des pilotes qui roulent de tout niveau, c'est-à-dire aussi bien débutants que jusqu'aux pilotes, on va dire intermédiaires plus. C'est des pneus qui sont très polyvalents, c'est-à-dire vous pouvez les utiliser en milieu urbain, mais sur circuit et surtout dans toutes conditions. Les Power GP, parce qu'ils ont la polyvalence entre la route et la piste, ça peut permettre de faire des track days sans être obligé d'avoir de nouveaux jeux de jantes. Et pour ce qui est de l'adhérence, j'ai pas réussi à le mettre en défaut, donc je sens que ça accroche, tout simplement. On a vraiment l'impression d'être collé à la route. Le Michelin, c'est un bout de scotch. Quand on a confiance dans le pneu, on se concentre sur son pilotage. On se pose pas de questions sur le pneu, savoir s'il va accrocher ou pas. Et on progresse beaucoup plus vite comme ça. Il n'y a pas besoin de rouler très longtemps pour qu'il soit vraiment en température. Le ressenti, il est excellent. Et franchement, par rapport à l'ancienne génération, on a franchi un cap assez important, surtout en mise en régime, où la moto est beaucoup plus facile à prendre en main, on a de bonnes sensations. Les entrées de virage se font assez naturellement, pas de ressenti de relèvement au freinage. Freinage, stabilité incroyable par la prise de frein, sur un freinage long, dégressif, progressif, peu importe les conditions, freinage sur l'angle, vraiment bon feeling général. Alors, en trois mots, je les trouve rassurants. Adhérence. La sécurité. Et intuitif. Vitesse. La longévité. Endurant. De la bombe. Polyvalence, adhérence et mise en régime.